Bonsoir monsieur, bonsoir. Oui, ça va, merci. J'ai bien compris, vous êtes un habitué. Bonsoir Bruno, j'espère que tu te portes à merveille, tu es bien. Alors, avant tout, si tu as une question pour moi, je veux surtout sauter sur un passage que tu viens de dire concernant la télé. Oui, aujourd'hui c'est un combat. Nous avons du direct télé et cette année on aura le direct télé du départ jusqu'à la fin. Et à l'arrivée de l'étape, je mettrai un coin VIP où le direct télé viendra dans le coin VIP pour faire l'interview du maillot jaune, du maillot de montagne, de celui qui aura animé l'étape pour le direct télé. Mais toute la presse sera invitée dans ce coin presse. Les coureurs seront assis, ceux qui auront marqué la journée, sera assis à disposition de la presse pour que vous puissiez poser des questions. Ça sera plus, ça sera mieux au lieu de courir, d'aller chercher, tantôt, trouver le maillot jaune. Donc à l'arrivée, une fois la ligne d'arrivée traversée, vous irez au coin presse, vous allez voir, c'est un chapitre qui est marqué Comité régional cycliste. Et les athlètes seront là pour faire les interviews. Ça, c'est pour le direct. Et puis, il y a des radios qui seront dans la course pour diffuser et pour essayer de voir dans quelle mesure pour certaines radios puissent avoir la possibilité de se connecter pour diffuser la course en direct. Et puis, il y a le web. Monsieur qui a son téléphone, il peut aller sur le site du Comité régional cycliste. Il peut aller sur, si vous avez un site, il peut aller sur votre site pour voir la course. Ou bien, il y a plusieurs webs qui seront connectés sur le direct du tour. Mais en télévision, laisse-le visiter, ça sera pour Martinique. Comment ça va? Comment ça a été l'étape d'aujourd'hui? Bon, l'étape était dure, hein. Avec la pluie en plus, c'était dangereux, ça glissait. Il fallait vraiment faire attention. Ouais. Et en même temps, ben, ne pas se faire piéger, mais c'était une étape très risquée. Risqué, au niveau des chutes, et puis le temps n'était pas agréable. Ouais. Mais tu n'as pas chuté, non? Non, c'était vraiment c'était. Ouais. Ben, voilà. Comment tu as trouvé le parcours, il était vraiment... c'est la première fois que tu cours ici à Martinique? Non, c'est pas la première fois et le parcours, ça allait, le parcours, c'était correct. Ouais. Et puis voilà. Ben, d'accord. Donc, je suis fatigué, c'est normal. Donc, et pour cet après-midi, tu te sens en forme pour la course contre la montre? Ben là, déjà, je vais manger, je vais me reposer. Cet après-midi, on verra. Ouais. On verra cet après-midi en espérant qu'il ne pleuve pas. Ah ouais. Eh bien, l'équipe d'Andy FM te souhaite un bon courage et puis une bonne récupération. Il n'y a pas de souci, merci. À vite. Oui, Louisiane.